tête li et qui a vivre une situation vraiment vraiment difficile là. Qu'est-ce que Jérôme, bonjour, nous comptons ensemble avec vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous et dis-moi. Monsieur Dumas. Et moi j'ai 20 ans, Jean Oudilan, moi élève collège Saint-François d'Assise depuis tout petit. Et moi vivre un accident l'âme de 15 ans. Nous allons parler de tout ça tout à l'heure pour nous capable présenter comment ça t'est passé, mais d'abord on est ensemble avec vous, maman ou et madame Conceptual qui est ensemble avec nous. Bonjour, merci d'être venu pour l'invitation. Bonjour, merci beaucoup monsieur Dumont, c'est nous-mêmes qui pour remercier parce que TNH c'est un média qui t'est venu dans le téléphone qui t'est cherché même qui t'a envie qu'on ait plus sous Kakista. Donc nous dit TNH merci pour l'invitation et nous saluer tous les téléspectateurs et télévision. Où est-ce que tu as parlé, ou gagne deux petites filles, c'est ça? Trois petites. Moi j'ai trois petites, moi j'ai deux filles et un garçon. OK. Et Kesta, c'est deuxième petite. Kesta, c'est première, non. C'est tête secrète, moi. Kesta, c'est premier petite film, c'est premier sang, c'est premier petite moi-même dans la vie. Avant que nous entrions dans l'accident, parlez de petite fou. Qui est-ce lié? Kesta, depuis Kesta tout petit, son petit monde qui va qu'on fait des autres. Donc, toutes sortes d'îles, toujours tendées, son petit monde qui était toujours. Qui était toujours très appliqué à l'école. Et son petit monde qui a toujours grand pile rêve. Mais depuis que c'est tout petit, c'est plus gros baralité, mais c'est boule. Depuis que boule a maté, ouais, que soit le shooter boule avec pierre, soit le toujours gros boule a maté avec. Même dans la salle à manger, tout on dit que ça n'est pas possible qu'à craser les soyons et à jeûner. Que ça soit un monde qui est sympathique, qui est jovial, chaque temps que tout le monde qui côtoie Kesta est capable de dire que Kesta aime les blagues, que Kesta toujours un petit mot de réconfort. Et c'est pas un monde qui fâche facile, mais le jour que Kesta fâché, on met connaît que ça grave. Parce que là, le fâché, il fâche tout le monde. Mais c'est un monde qui réservé, qui remet un cadre des amis, qui est toujours là pour capable pour ton conseil. Au niveau de l'école, avant accident, comment tu travailles l'école? Qu'est-ce que tu travailles bien? Très bien l'école. Qu'est-ce que tu remets basket en pile? Tu as joué basket en pile, n'importe. Les gens qui viennent dans le match, Saint-François Lacide, coach, et qu'est-ce que tu es capable de témoigner de ça, quel que soit côté. Ou mettre que ça sous terrain, c'est trois points. C'était tellement extraordinaire que je suis content de ça dans la bouche de mon qui j'ai que Kesta a été contre jouer basket. Et puis un jour, je m'oblige à prendre des permissions de travailler pour mal voir qui j'ai la joue. Parce que moi-même, tout le monde, je suis contre la gym, je suis contre jouer basket, tout. Je suis contre jouer basket, je suis contre jouer volleyball. Papa, le terrain, mais je joue volleyball, tout. Donc, l'homme arrivé sur la croix, moi, tout côté qui est taillé, regardez, depuis le ballon, on a tout le monde qui est pour y barrer la route, parce que depuis le lever, mel, sont trois points la mettre. Donc, pour l'école, qu'est-ce que ça n'a pas de problème l'école. Pourquoi j'aime que ça dans l'école là depuis la première année et fondamentale, pas un jour, j'aime gagner une convocation, une note que mes avoués, ben moi, que. Que Kesta a un problème que faut qu'il ait parlé pour capoter plainte. Kesta a commencé à avoir un problème d'école, c'est seulement après accident parce qu'il est toujours en retard, il est toujours après rater des jours de classe. Et même ça, c'est après accident. Mais avant accident, c'est un petit monde qui était bien performance académique. Oui, c'est un petit monde qui était toujours sous ça, qui était toujours sous l'école, vu que Kesta c'était boule, l'école. À part qualité sportive, ça? Qui l'a qu'à Kesta, mais ou actrice dans moto. Oui, effectivement, et Kesta était joué dans le film et Regina Hubert qui t'aime me parler. Kesta c'était petite madame Georges dans le film là. Et bon, qualité ça, c'était extraordinaire, pas de connait que le qui a fait ça bien comme ça. Donc par contre tout le monde qui était ouais film là qui t'aime me parler. Donc Kesta Jérôme c'est petite madame Georges dans le film là. Dans ce sens, amis téléspectateurs, on nous permet que au suivant, il y a une séquence de prestations qui est dans le film, qui t'aime parler de Regina George.
Et puis, Gada, je t'ai fait pour. Je t'ai fait pour un groupe de musique. Oui, mademoiselle. Ça fait manger pour comparer. Papa m'a pris vite à l'heure. Bon Dieu fait, je connais papa tout. Si vous passez à manger, je vais prendre ça pour vous. Et puis, je vais vous chanter tout à l'heure. Avec voix de papa. Oui, mademoiselle. Voilà, ça permet que nous-mêmes, amis téléspectateurs, nous apprécions le talent artistique de l'actrice qui était jouée dans le film ça, qui était parlé de Reginald Lubin, et bien nous permet que nous connaissions jeune fille ça avant accident ça, qui vraiment potentiel que les gagnants la caillé. Et pas vraiment tout. Oui, tout à fait. Christa, c'est ton petit, son bénédiction. Christa, c'est son petit extraordinaire. Extraordinaire, c'est pas tout le monde qui connaît faire des autres, comme si faut pas parler, c'est tout le monde qui est responsable. Donc, même à l'école, il était directrice, il était président de classe pendant 2 années consécutives. Et donc, même tout le monde dit, c'était félicitations tout le temps que je comprends pour Christa. Donc, ils sont petits que moi, fier de lui. De Christa Jérôme, que Audrey s'est tableau ça, de lui-même, mais tout bagage après a changé dans la ville à partir de une date qui s'est date accident. C'est de quelle heure? C'était date 18 octobre 2013. Là, ça, l'école était fait couvert, l'école était ouverte 4 octobre. Et moi, le 15 jours après, 18 octobre 2013, et puis tout livre, uniforme était paré pour l'année, était la caille pour toutes. Pour toute année, parce que Christa n'a pas l'école après. Depuis lors, c'est toute famille qui a vécu un cauchemar chaque jour. Parce que nous, en résumé, c'est docteur, laboratoire, médicaments, l'hôpital. Nous pouvons regarder les différences. Christa, est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous l'événement, comment il est arrivé? C'était genre au début de l'année. Moi j'étais contente parce que c'était une nouvelle année, une nouvelle connaissance, nouveaux amis, nouvelles expériences et puis surtout nouveaux matchs, nouveaux pas que positif et même négatif qui arrivait, mais que au cas relevé. Et puis moi t'as sauté l'école et puis femme d'argent mon travail dit moi fais ça, travail fini, nous quitter travail là, et puis nous prend tap tap. Donc t'as sauté l'école, c'est pas soir. Oui, maintenant mon travail. Et puis moi-même maman avec frère nous prend tap tap, et puis qui mène nous dans la station. Oui, Macajou. Et station bon, vieux, bon repos. Le ça, vous avez habité bon repos? Hein? Vous avez habité bon repos? Oui. Ok. En peine. Et puis, mais là, ça a été en fil, là, non plus fini, en bus. Et tout le monde connaît que normalement, en bas de la ville, il y a tout, que pas de trop de voir, c'est en bas de la ville. Pour aller en bas de la ville, ça, pour monter dans le bus, soit ou contourner bus, hein? Chose qui était impossible dans le moment ça, parce que tu as bus, ou bien ou passer dans le temps, yo deux. C'est à peu près ça, n'importe qui monde, même étranger, tu as fait. Et c'est ça me fait, grâce à Dieu, parce que moi, je passé en premier. Parce que si c'était maman, ça t'est arrivé, il t'a mouru sur le coup, donc on avait compris ce qu'on dit. Et si c'était frère, vu appareil garçon, donc ça tape désastre pour famille. Donc grâce à Dieu, je suis passé avant. Et puis pendant ma passé, mes moteurs étaient éteints, machine était frette, c'est pas machine ça qui t'a chargé. Et puis ma passé dans mes ou deux, et puis moi j'ai dit à maman, me dit qu'est-ce que ça avec un signe d'alerte. Non, voilà. Vu que c'est en bas à venir, moi j'aime toujours penser que c'est comme si voler qui attaquait nous à n'importe qui. Je pense que c'est voler qui attaquait. C'est des autres qui étaient capables de gagner mon accours, etc. Oui, parce que moi j'étais en train de bûcher. Et puis après, je me suis tourné comme ça. Et puis c'est moi,
on l'ombrage noir d'elle, et puis il y a moi involontairement m'a pralé dans Corée avec l'autre bus qui était devant moi. Et puis m'a dit combien de temps ça a duré, et puis m'a collé dans le bus, je me suis sentie collée, même pas de douleur sur le champ. Et puis maintenant on m'a dit comment on fait sortir là. Et puis mes mamies t'ont dit vraiment que voilà dit chauffeur que les Columbus en monde donc et, c'est pas dans wap passer des bus là et puis il y a un bus qui fait back ou bien qui avance. Disons que c'était comme ça, ok. Moi m'a passé comme ça et on m'a ça et bien pas connu ça que passer chauffeur non maman elle a fait ça faut faire ça et maman il fait ça ok il fait back devant sur non seulement il vient sous moi il frappe le bus qui est là et maman dans mes temps au deux. Ok, là. Et puis, il retire le bus. Mamie fait que il retire le bus sur moi. Et puis, il passe, il vient de prendre dans mi-temps aux deux. Puis, il retire, il marche. Et puis, il dit qu'est-ce que ça, est-ce que ça va? Moi, oui. Il me dit mamie, oui, tout va bien. Et puis, pendant à peine, moi, je finis ça. Et puis, sans commencer à venir, sans c'était pas blessure extérieur, superficiel, c'était par en dedans. Et puis c'était basse et moins. Les gens me disaient, si nous connaissons à battre tabou, nous commençons à battre tabou, c'est dit. Mais comme, et puis, en fait, quand on a peut-être. Et maintenant, c'est gigi. Et bien, disons que le tabou là, c'était basse. Basse, pas aucun squelette, aucun truc. Et puis, disons que l'hôpital là, il y a dit que ces os qui descendent, qui coupent. Comme si vagin délabré, urètre cassé, c'est pas un tableau. Disons que à l'intérieur, on ne donne pas même gens, on donne mon, on donne un monde droit, mais on ne donne pas maintenant zo déplacé, même au fil, même quand y a là yo changé place, tu vois. Donc. Et puis pendant yo fin retirer moi, et ma j'ai un peu de douleur parce que c'est là où je finis de retirer mes sens. Je me sens une douleur, je me sens pas là, tête-on pas là. Et je me sens un peu de monde. Après, elle est en moins, qu'on est avec Haïtien. Donc, c'est en moins. Et puis, on se bat à moi, c'est. Mon, pas vraiment mon yo, moi l'ombrage, et puis moi ciel, l'ombrage ciel. Et puis moi c'est un peu le monde à moyen, moi on se bat, on connaît ma baille sans mon douleur. Et puis quand monsieur qui prend, on, comme si, ah ben là, on a toujours vu que quelqu'un qui a chargé ma chaîne. Mais c'est rasta, oui. Mais je vois habillé, on voit toujours parce que normalement, si vous partez devant vous, il y a pas les boussous. Mais en fin de compte, la plupart d'entre eux, c'est monde qui veut aider les citoyens. Ok, donc c'est un monsieur qui vient dans la salle qui prend. Me sens il prend dans mes tout le monde sur moi même. Et puis m'était tellement de douleur. Si même si m'était réel ça pas ta qu'à exprimer j'en m'a souffert donc m'était obligé m'aider monsieur m'était obligé m'aider et jusqu'à présent si il était là il t'a montré tout. Parce que nous sommes venus à la partie là pour remercier de tout ça. Il était bien content de me soupirer. Et jusqu'à présent, il y a des tatous, cicatrices. C'est comme s'il avait la fond. Pardon qui est. Oui, souris. Mais il n'est pas québécois. Au contraire, il est bien content de me soupirer. Et puis, moi, je pense que je me suis mis dans le bus. Pendant que je me suis mis dans le bus, maman me dit vraiment que je suis allé pour une boîte. Je suis allé à l'hôpital MSF, New York. Je me suis dans le bus et puis il y a une dame qui t'a dit qu'elle la prière. C'était ce tombeau. Ça. C'était un agent marketing qui t'a monté avec nous dans le bus. Là. Et moi-même, pas de cas prier, c'est lui-même qui t'a prié, qui a dit au nom de Jésus, pape mourir. Au nom de Jésus, pape mourir. Au nom de Jésus, la prière. C'était ce tombeau qui, c'est un agent qui compte faire marketing dans le bus. Là. Et puis il a dit, madame, on n'a pas besoin de quitter, petit roi vient à sauver, petit roi a une grande dame dans le pays, au nom de Jésus, l'a sauvé. Donc nous voulons remercier et ce tombeau qui est un agent qui convient livres, qui convient et produits, produit différents produits d'ambition. Donc c'est lui qui l'a prié, mais moi, m'a souffri, m'a baissé, tout le bus, il a dit que le bus était plein, tout le temps. Et puis,
Bus a couru, madame a couru avec en vitesse. Le route a été par. Mais c'est le même bus qui t'a frappé là, bien l'autre bus. C'est le même bus qui t'a frappé là. Parce que, mais c'est pas c'est l'autre chauffeur qui t'est venu faire ça. Mais c'est le même bus parce que Jean t'a gagné un pagaille. Il dit que le chauffeur moto campé, machin vini, l'autre curieux vini. Donc, et l'homme réfléchit, pas de possibilité pour t'arriver l'ambulance. Et moi, je demande à monsieur qui te prend volant, qui te aide à me décorer, que ça, moi, je demande le tant pis, menez-nous dans Médecins sans frontières. Oui, et ça dit, t'as passé un monde qui t'a frappé maintenant, là, nous dit que les courants, l'autre monde, il me courir. Donc, c'est un autre. Donc, c'est un autre chauffeur. Oui. C'est un autre chauffeur. Donc, okay. Moi, pendant que nous avons besoin de parler de MSF, la route a été pas asphaltée et puis le bus a. Et. C'est un choc. Oui, donc, moi, nous sommes. Moi, levé. Mamie dit que. Pas levé, c'est lui qui était quand même. Je suis jeune, il est quand même vrai. Mais pour moi, je toujours crois que c'est moi qui t'ai levé jusqu'à présent. Je suis sûre que je t'ai campé, je t'ai sous deux pieds. Même si que ce team était. En deux. De partir ou en seul. Ah, tu n'as pas senti le même. Pas, et pas que je pas senti, mais disons que en haut pour moi, en bas pas pour moi. Je ne pas contrôler. Tu vois? Donc, et puis là, nous lui fait dans MSF, vous tentez en route de construction. C'était normalement piéton qui était qu'à traverser et bus en campé. Et puis, tu as deux chauffeurs moto. Là, je ne sais pas si je comment, parce que moi-même. Avec toute ma sens, je commence à perdre du connaissance de temps en temps. Et puis, moi, ouais, que. On me suis apporté. Je retire ma chio parce que je n'ai pas plus de cœur, pas de bénin. Je n'ai pas apporté. On m'a apporté. Pendant le bouquet, on a mis en route et puis il dit l'autre là, venez. Pendant le bouquet, et puis l'autre là, venez. Jusqu'à ce que nous arrivions à MSF. C'est une chaîne de solidarité. C'est une chaîne de solidarité autour de voisinage MSF et nous profiter l'occasion pour nous dire merci, publiquement pour nous dire merci. Nous te retournons te remercier, mais nous tiens à ce que nous publiquement pour nous dire merci parce que ça a bénéficié en pile solidarité parce que c'était tellement choquant l'accident est arrivé. C'est extraordinaire. Mais c'était waouh! Mais en même temps, c'était la panique. Moi, je me suis dit, madame, vous pas rentrer, vous pas rentrer, faut des pièces. Ok, il y a des gens qui sont malades, tout le monde, tu vois, ils sont qui mettez tout le monde dedans, mais madame. Et puis, je me suis dit que moi, je mettais en dedans, non, urgence. Et puis, mais il y a des filles qui sous carbone. Ah ouais, pendant tout, pendant mon apporté, moi, je me suis dit que là, et ça, t'es. Comme si, t'es plié. Ouais, et on se bat moi me c'est que yo pas moyen yo mettait ma tête parce que m'était gagne trop douleur. Et pendant mamie a dit que c'est j'aime commencer à rentrer dans choc comme si j'aime pas du tout ça puis commencer à rentrer dans choc comme ça peut dire ça mettait me sous hop là sous cabane et puis mes sœurs m'a demandé on me suit dit madame ça qui arrivé moi dit que moi pris moi t'ai prendre un sandwich entre deux bus de toutes les soirs que connaissent lui c'est dit au sous pour capable parler. Oui, oui. Et puis, dis-moi, madame, comment me relais à tout ça? Non seulement je me lucidité, mais à me font une blague, je me relais dans le question à Jérôme. Mais non, maman, je me parle vite, et puis je me dis, si je voulais me faire écrire pour lui, et puis regardez-moi, un jour bizarre, entre le rire et l'étonnement. Et puis, je me suis dit, que, tant on m'a perdu connaissance, mais tant on m'a. Et puis, je me suis dit, grand monsieur avec une dame qui était fini. Puisque je n'étais pas capable de chita, rien du tout, pour être en uniforme. Donc, j'ai besoin de côté blessure dans les. Et donc, j'ai pris. J'ai dit, comment uniforme ça a retiré? J'étais trop faible pour me dire. Je me dis que j'ai placé bon côté. Et puis, je me suis dit que. Mais une fois, mais ça va toujours compliqué pour les faire. Donc, il prend un ciseau. Hein, et puis, ça, il coupait. Il déchire l'uniforme. Moi, on se bat qui est passé dans la tête, mais comment je vais faire pour ma l'école demain? Donc, après ça, je me songe que je change mon carbone. Après ça, c'est le noir total. Noir total, je ne songe en rien du tout. Je me songe que maman était rentrée dans la salle d'urgence
après ça rien. Donc diagnostic médical là où tu as pas de problème. Et dans moment ça, le moi tout mon antigen paniqué, moi y a paré puis à la veille non. C'est un coup t'es fait. Yo t'es commencé, yo t'as pas transfusé là. Parce que ça non, ça moins d'une heure de temps. Et puis quelle que ça t'es fait un arrêt cardiaque, mais avant que il pas songer ça me dit et puis mal passé mais dans tête il pense à me dit que sous m'a prié pour lui dit que ça au nom de l'Éternel toute bagarre bien passé et puis il dit mamie m'pas voulu faire crier non maman excusez maman mettre de l'eau dans géo m'pas près les bisant t'a venir non si que ça t'est mort 18 octobre c'est dernier parole il t'a dit parce que que ça rentré dans salle d'opération à 10h moins 10 du soir. Il retourne vite joindre moi le lendemain samedi à 4h de l'après-midi. Il fait tout le temps ça dans sa l'opération. Le premier docteur venu, c'était docteur Andalésir, gynécologue. Docteur Désir, il y en a pas qui était manqué en pile l'homme rivé sans frontières parce que toute bagarre il fait aussi en forme consentement. Docteur Zoyo venu, il dit me forme si en papier, il pas garanti que ça va le faire et après ici mais il expliquer un petit peu qui ça va le faire, que fait si en premier papier. Quand il y a la deuxième docteur gynécologue là venu, docteur Andalésir venu et puis il finit garder que ça il dit madame et petite fille en vierge et c'est bouboni seulement, pas que plein l'autre côté c'est bouboni kabay sans comme ça. Donc ça pour me capable garder ça qui passe dans bouboune pour nous capable et coude faire réparation ça rien pour faire faut faire signer pour lui faire signer pour déflorer totalement qui ça. Et son bagage qui était marqué. Parce que quand pile jeune fille, quand pile fille en général remet offrir virginité à mon que yo remet. Et puis me dit oui Jésus garde son machine qui prend virginité petite moi. Me fin signer papier ça. Et puis y aller dans déchocage, ça on gèle entendre dire pas dans déchocage ensemble avec yo. Au fond bagaille comme si on mettait pour capable faire cœur reparti avec toute transfusion je courir à la veille dans salle d'opération. Donc après ça qu'est-ce après plus de 12 heures de temps dans salle d'opération qu'est-ce que tourner un samedi j'aime te dire là bien tard après-midi et puis au Kimberley dans une salle d'urgence qui gagnait côté c'est cas grave yo mettait là et puis me songer que et docteur français qui passait qui dit comme ça que faut que contrôler et quand est-ce que si faut hémogramme pour lui hémocure chaque 4 heures de temps puis regarder s'il pas continuer à saigner c'est comme ça pendant tout dimanche quand il était sans que ça gagne continue à descendre que ça continue à saigner dedans et puis et dimanche matin et lundi matin. Et puis, quand il y a la vie, il est grave encore, il faut que transfusé. Et puis, docteur, ni orthopédiste, ni gynécologue, il a dit bon, il faut que vous rentrez avec dans la salle d'opération pour qu'on ait qui ça qui a saigné comme ça. Quand il y a la pas de gain, qu'est-ce que c'est groupe sanguin, groupe sanguin, c'est A+, pas de gain ni A+, l'hôpital là, pas de gain O+, qui te donne universel, il y a quoi rouge, pas de gain qui te disponible. C'était donneur qui était capable de gagner et c'était chercher dans l'autre bureau croix rouge est-ce que tu as gagné ça c'est comme ça c'est une mobilisation c'est François d'Assise pour les parents pour les professeurs c'est une mobilisation tout dans côté moi à travail puis était capable de venir by qu'est-ce le sang vini il était qu'est-ce qui a fait une réaction allergique avec elle. Donc le docteur dit yo pas il a faut tirer tant toujours le temps que capable évaluer et puis le lendemain si je veux mardi grand matin de 20 jours yo rentrer dans salle d'opération quoi avec le fond toute votre là puis capable garder faire yon garder net aller qui ça qui gagne. Donc OK mais qui diagnostic médical qui ça docteur te dit exactement
que yo dit que qu'est-ce que tu as gain tout quatre zo bassin t'es cassé. Tous les quatre zo t'es cassé, gain zo ça qui déchiré, qui tombé, qui fond bouboune là. C'est ça qui fait que bouboune t'a baillé sang comme ça, c'est même tout un accident qui raché urètre là. Et il t'a gagné et traumatisme abdominal dans ventre lui. Et puis il t'a gagné en pile plaie, en pile. Il a été écrit dans le certificat médical à lacération vaginale. Et qu'est-ce que tu n'as pas de cas bouger? Qu'est-ce que tu as été son cabane, même si elle n'a pas de cas bouger? Alors, hier, tu as eu un élève et étudiant faculté de droit qui t'a invité à venir. Il faut parler avec eux. Et puis, moi, dis que quand on va avec qui simple, comme si déjà ce qui est banal que nous pas bail nous pas bail importance le qu'est-ce saute dans salle d'opération samedi soir après plus de 12 heures de temps et puis dimanche matin et puis Mister dit moi ça que et nous pas fait toilette qu'est-ce oui maman qu'est-ce et puis dit ben mon cuvette pour mal chercher de l'eau pour ne pas faire toilette qu'est-ce là elle dit ça mais l'eau coulait dans j'aime moi dit bon Dieu merci merci un peu parce qu'on m'a chance encore pour me faire toilette petite pour en vivant donc ouais ça son bagage son geste de tous les jours que nous ouais nous marcher que nous fait toilette nous mais son bénédiction c'est une grâce et juste ça c'était c'est une grosse grâce pour moi pour me donner chance pour aller chercher de l'eau pour te faire pour te faire toilette qu'est-ce que on l'autre fois et chaque fois puis tu as fait toilette c'est combien employés qui pour venir pour lever yo même gagne en pied gagne en mi-temps même mon monde qui pour kembe parti ça monde qui pour parti en l'air pour faire cabane ah nous comprenons une situation vraiment difficile. Je sentis que dans mon moment, tu as bon courage, bon côté pour vivre cette situation ça et vivre avec la foi. En pile. Parce que qu'est-ce que qui là aujourd'hui, qu'est-ce que son son témoignage vivant que bon Dieu existait. Son témoignage vivant que gain miracle. Parce que l'argent pas t'a pas sauver qu'est-ce que ça. Même si tu gain millions, même si tu allé dans même si tu monté dans n'importe quel hôpital comme ça qu'a gain l'argent même. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? C'est que tu depuis que tu es en bus d'ailleurs. Imagine un petit monde 15 ans qui est tout frêle, qui a mis dans deux gros bus jaunes. Donc, ouais, c'est parce que mon Dieu voulait que tu vives. Qu'est-ce que tu as. Ouais, pendant que nous lançons la campagne, il y a un docteur. Un chirurgien. Pendant que nous lançons la sensibilisation sur Facebook. Et puis, il y a qui me dit, j'ai un petit petit que nous devons recevoir sans frontières et en octobre 2013. Je me dis, c'est oui. Il dit, ah, madame, c'est petit ou en vrai, priez, continuez à prier fort parce que bon Dieu existe, il y a un miracle. Il dit, moi-même, là, je te recevoir petit ça, je ne pas penser que le tape vive. Et qu'est-ce que c'est un cas qui était souqué, qui était mobilisé, employé et sans frontières, et me remercier en pile parce que tout le monde était dévoué de mon cap. Cap balayer la cour, cap faire entretien la cour, à mon qui directeur médical, à mon qui piwo, chaque monde tout personnel la net te bon tout personnel la net même blood okay. Parent malade comme si leur passé comme si yo work out toujours gagne un petit mot pour qu'est-ce que t'es bon jour soir me songe alors premier jour que qu'est-ce que t'as passé non avec il est sorti dans salut juste non. Et puis, alors, côté que tu mettais, il était passé 10 jours dans ce stade spécial, ça, quand il y a pas le voile en auto, de côté que il n'y a pas le temps pour Zoyo Capran. Et puis, c'est comme ça, là, ça a été plusieurs mois dans la salle. Là, qu'est-ce que tu as dans la salle? C'est un gros sac que tu mettais pour lui. Docteur Obou, tu as dit que tu as laissé la cystostomie. Tu as expliqué que tu n'as pas une urette, mais qui s'est craché là-dedans? Yo pas konn si y a capable réparer mais en attendant yo te met un tube en ballon en bas en sous tête et pubis pour que qui te relier avec un sac pour le décapipi
Et puis, ou connaît l'autant de l'eau avec l'autant de l'autre pour la pipi ou gagne envie pipi tout. Puis c'est comme ça que ça te vive expérience ça mal. Moi, son je joue ça tout pour la gonfler. L'autre malade de l'abdomen. Et puis moi-même, qu'est-ce que tu as vu que je suis capable maintenant? L'a vu que l'homme n'est pas capable, il n'est pas capable de dormir et puis il tombe chanté. Il tombe prié. Tout malade dans la salle l'a levé et puis il a fait somme 118. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Comme si ça là vienne tourner tout dans l'église jusqu'à ce que me te permette de monter, coucher mon côté et puis que ça calme et puis il dorme. Donc combien d'interventions chirurgicales il subit pendant 5 années ça? Qu'est-ce que ça prend pile? Qu'est-ce que ça rentre dans la salle d'opération près de 9 fois déjà? Parce que la dernière fois qu'elle est rentrée, c'était en mars là, 2018. Et c'était une équipe, après l'aide que nous avons recevoir le docteur Lodboa, qui, comme si que le levé de fond a piétiné, et que qu'est-ce que ça souffre en pile? Parce que chaque jour, c'est 4 fois par jour que ça pique pour le capable de. Morphine pour le capable supporter douleur. Pour le capable faire émission là, c'est sous morphine que lié. Ouais, le presque donc là, le effet médicament presque arrivé où elle il gagne voilà manger dedans, il gagne douleur. C'est ça qu'on arrive que parce que chaque 3 jours, j'ai 3000 gouttes pour m'acheter boîte là. Mes amis, même si je n'ai pas un support, mais il faut que c'est moi qui vous joigne comme chaque jour, vous avez 3000 gouttes. Chaque 3 jours. Combien de morphine pour chaque jour? Il prend 4 injections, 4 piqûres par jour. Boîte morphine a gagné 10 ampoules la dernière, il utilise 3 ampoules par jour. Donc, c'est-à-dire que 10e ampoule est capable d'aider pour augmenter. Pour boîte là pour qu'on finisse, il faut que tu aies l'autre boîte qui est là. Parce que morphine, ce n'est pas un médicament que vous jouez dans la pharmacie, c'est un médicament qui est régulé par la santé publique. Et il faut que tu aies prescription pour ça, et c'est l'hôpital seulement. Alors, je voulais dire que ce n'est pas le docteur qui mettait question sur morphine, parce que déjà, il a essayé, la douleur était tellement atroce que l'autre médicament régulier. Comme un capteur pour douleur, pas capable de soulager. Adnan, qui partit au senti de douleur, qu'est-ce que t'as? Votre, parce que c'est la tube là. V6, parce que de temps en temps, on était encore étranger, V6 a venu irrité, et au fil du temps, ce qui a passé, normalement, V6, on monte, folie gonflée, fermée, gonflée, mais avec Anéo, V6 non. Pas venir la seconde corps, il vient figé. Donc, douleur c'est ventre, vessie, vagin. Okay. Donc, actuellement, pour fonctionner, il y a un tube que vous mettez pour en dedans. Oui, soit il est sous moi, soit dans la valise. Ok, c'est même qui vous permet de pipi. Oui. Ok. Alors, okay. Pour qu'est-ce que tu es capable, après accident, qu'est-ce que tu es arrivé, fait 2 ans et demi. Et tu as fonctionné parce que le premier année accident 2013-2014, que tu n'as pas à l'école. Et là, nous sommes sortis sans frontières et tu as gagné et 11 ans mine qui t'a fait un contrat avec le docteur Doureux. Le docteur Yuri Doureux, c'est un papa lié pour Kesta. C'est vrai. Et le docteur Doureux, le Kesta t'a vu venir avec ça que l'hôpital a dit que c'est ton cystostomie qui t'a pour lui en attendant de jeune façon. Pour que tu aies fait le pipi en l'autre gens. Le docteur doit regarder quand il dit pas gagné l'autre bagage pour que le médecin haïtien ici a fait pour lui. C'est comme ça, c'est lui-même qui t'a fait rencontrer avec une équipe qui t'a sorti l'autre bord, qui t'a fait une chirurgie spéciale pour Kesta. Il a fait un conduit pour lui dans l'ombrite. Et pour à chaque fois que il a besoin, alors pour le t'a passé un tube lui-même dans l'ombrite là, tu peux savoir le lit ne l'attend. Donc chaque fois pour faut que ça gagne plusieurs parce que c'est même tu ne peux pas utiliser tout le temps. Faut que dire que faut qu'il gagne s'il passe si besoin pipi 10 fois pour une journée faut que tu gagne 10 ne l'attend pour t'a faire ça. Donc c'est lui même
qui oblige lui-même rentrer tube dans le ventre. Là, il arrive dans le vestiaire, il voit pipi commencer à sortir. Et puis, après ça, il retire. Et puis, mais le docteur a pensé cette technique, ça, parce que c'était la première fois qu'il a fait ça à Haïti, dans un pays en voie de développement, avec structure sanitaire que nous avons gagné. Parce que c'était toujours qu'on a l'école, c'est François d'Assise avec Tubli et dans sa clé pour les besoins pipi, pour aller à la toilette, pour le camper, pour le capacer, pour le mettre. Mais au fil du temps, qu'est-ce qu'on a développé des infections urinaires à répétition. Et puis, tu es venu arriver que trajet à tout, qu'est-ce que tu es tellement, tu ne pas passer tout le temps. Tout. Parce que imagine un petit monde 15 ans, li, pour vivre tout traumatisé, pour te connaître pipi régulièrement, brusquement, il pas docteur, il pas infirmière, il pas personnel de santé, pour le jeune, pour le pipi, c'est lui-même qui a pas son tube dans votre pipi. Est-ce que tube ça, il facilement dans le jeune en Haïti? Des fois, non. Ça nous fait? Des fois, non. Les consens, nous avons des amis qui relè l'hôpital général. Mais si nous avons un dépôt, nous avons fait des démarches dans l'agence. Nous avons une agence Epsilon qui sous toujours, que nous toujours fait. Nous toujours demandé pour être capable de rassurer que nous avons un petit dépôt, un petit stock que nous sommes capables de joindre pour qu'est-ce que ça. Mais la technique, ça ne vient pas à continuer encore parce que ça a tellement de douleur. Et puis, quand Dieu a fait pour tu blanc, tu passé, tu viens commencer à fermer. Tu as un petit alors, il y aurait les ça, le docteur dit ça, il y aurait les rétrécissements, commencer à serrer trop. Donc, qu'est-ce que ça, pipi, vestiaire, vient tant qu'on ballon qui gagne de l'eau là-dedans, mais de l'eau, ça n'a pas un côté pour le sortir. Okay. Donc, ça vient fait que le docteur Dreux, avec le docteur assisté de docteur Brutus, est rentré dans la salle d'opération avec Kesta en juillet 2017, puis était capable de conduire ça opérationnel. Et puis, il était metté le système ça que ouais que le gars là qu'on y a quitté on cathéter que nous changer et chaque deux semaines pour empêcher que les gars infection. Mais malgré tout, malgré le système ça, qu'est-ce que ça toujours et donc je dis là pour qu'est-ce que ça t'avait normal entre guillemets, faut qu'il subisse une opération, c'est ça. Faut que je joigne en façon pour que les capable pipi sans douleur. Okay. Pour que ça pipi sans douleur, il faut une intervention qui vous fait dans le système ça, dans le système génito-urinaire. Okay. Et pour que ça quitte morphine, il faut que geste ça li fait. Parce que ça qui fait que ça oblige sur morphine, c'est parce que tout le temps il y a douleur. Donc si yo fait ça, vous êtes capable de faire pour lui. Pour le pas de douleur, laisse ça, il pas de besoin de morphine. Donc intervention ça pas qu'à faire en Haïti. Exactement. Okay, pas gagner. Et ça, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Un docteur qui gagne une spécialité dans la reconstruction pelvienne chez la femme. Donc, et si tu as une reconstruction ça, depuis, si tu as une spécialité ça, depuis le question sans frontières, tu as café. Sans frontières, tu as quitté là avec un sac et cystostomie. Mm-hmm. Si tu as gagné, si tu as une possibilité, et il t'a fait. Déjà depuis qu'elle était sortie et sans frontières. Donc, il y a nécessité pour la faire intervention à l'étranger. Il y a nécessité pour que Kesta ait un spécialiste en. C'est un terme anglais que je songe, docteur Atekin. C'était female pelvic reconstruction. Ok. Female pelvic reconstruction. Donc, c'est un terme anglais qui tout à fait. Donc, ça, est-ce que dans les démarches que nous faisons, nous arrivons à identifier un spécialiste en domaine, soit aux États-Unis ou bien à Cuba? Qui bon nous viser exactement pour capable de subir l'intervention? Notre démarche qui était faite, nous étions un spécialiste aux États-Unis qui était voué aux lettres pour nous être capable et venir joindre l'autre bord. Mais on connaît que ce n'est pas une assurance internationale avec restriction qui gagne sous problème de santé avec l'administration américaine. Et moi-même, je suis professionnel, vrai, même pas de corps pour être capable et prendre ça en charge. Et ou connaît si ou pas qu'à prouver ou pas d'assurance ou pas qu'à prouver qu'ou qu'à payer même si me gagne l'aide tout docteur non même pas bon bizarre malais. Donc cela veut dire que gagne un médecin
à l'étranger aux États-Unis qui est prêt pour capable faire intervention pour que Kesta capable vivre normal. Exactement. Besoin c'est l'argent les aujourd'hui là pour nous capable permettre que Kesta aller subir intervention ça. Correct. OK. Est-ce qu'il y a un montant? Oui. Nous t'ai parlé d'un montant de 60 000 $. Montant de 60 000 $, ça a l'y inclus. C'est un chiffre que docteur yo, entre yo même, t'es estimé que nous t'as besoin pour frais de traitement médical yo et puis accommodation. Alors, gon l'autre bagay qui pâté, c'est dernièrement le. Et c'est tellement que nous t'as traîné, que nous pâté, que le levé de fois que nous t'as fait à piétiner. Que tu as une équipe qui était rentrée bien normeuse en mars 2018 là, qui était venue évaluer pour garder ce qui est possible ici. Donc, et malheureusement, après anesthésie, le docteur fin évalué a dit bon, que c'est compliqué et que je suis retourné par la même équipe qui a occupé Kesta. Donc, yo, malgré les spécialistes qui sont en Haïti, mais pas de cas fait attention aux problèmes matériels. Non, okay. C'est pas seulement pour problèmes matériels. Ou gagner et faut mon cap faire l'entour gagner. C'est pas tant qu'au Haïti mes infirmières mon café un accouchement me faire. Ou bien ou c'est chauffeur petite machine, petit taxi, et puis ou qu'a conduire un gros camion. Donc et c'est exactement ça, il faut que nous ayons une spécialité. Ça. Ok. Donc, qui démarche qui fait qu'on est là pour que nous soyons capables de rentrer l'argent pour arriver à 60 000 $ pour que Kesta lui-même soit capable normal. Démarche qui fait, c'est que l'élève, c'est François Lacisio, avec l'école là, après une visite que tu as fait et la Kaila, tu as vu que Jean Kesta a souffert. Je te mettais tête ensemble, puis tu es capable de même organiser et lever de fonds. Okay. Donc, et c'est comme ça que nous avons sur les réseaux sociaux, nous avons un site GoFundMe, que mon élève, c'est ancienne de Saint-François d'Assise, même qui est aux États-Unis, qui levait, qui organisait pour Kesta. Okay. Deuxième donc au monde qui doit aller sur site ça sur site GoFundMe online un geste pour Kesta. Donc à partir de ce monde n'est capable de payer par carte de crédit alors carte de crédit et puis il est capable de bailler un don il te met c'était $1 il comptait parce que pipiti fait chai il est capable d'aller sur site là pour être capable de faire don ça à Kesta. Et c'est une personne de confiance. Absolument. Okay. Absolument, parce que c'est une ancienne qui connaît Kesta, qui était devant, qui connaît Kesta, et ce n'est pas un bagage qui est fait de façon isolée, c'est un bagage qui est fait à travers une équipe, équipe qui travaille aux États-Unis. Oui, parce que c'est fondamental pour que nous rassurer les gens qui veulent aider Kesta, qui est à l'étranger, mais qui est même capable de carte de crédit, puis rassurer vraiment le système là, sécurisé, et que les gens qui peuvent recevoir l'argent, ils viennent exactement à Kesta. Exactement. Okay. Exactement. Quelle autre mobilisation qui est faite encore pour être capable de rentrer l'argent? Mobilisation qui est faite, nous gagnons et Fondation Maison du Sourire, qui chaque année qui toujours organise un RAF. Et c'est Madame Kassamajor qui est un professeur biologie dans l'école Saint-François d'Assise qui connaît Kesta depuis pratiquement longtemps, parce que Kesta depuis la première année de l'école là. Année ça, il était dédié et tout fond que il a recevoir de RAF ça à Kesta. Donc c'est comme ça que RAF ça a billet à côté de 100 goud. Et tirage a fait sous Télé-Soleil le 24 juin 2018. Ensuite, nous avons mis des comptes, nous avons ouvert des comptes à la Unibank à tout le monde qui était capable et voulait faire un geste avec Kesta, qui n'a pas de carte de crédit, mais qui voulait faire des fonds de dépôt pour Kesta. Et nous avons communiqué le numéro de compte doucement pour nous capable bien noter le numéro de compte. Compte en Goudlan, c'est quel numéro? 210-2015. -23-18-06-56. Ça, c'est compte Goudla. Reprenez pour nous. 210-2015-23-18-06-56. Compte dollar là? C'est 210
216-2318-0685. Ok. Donc, de le compte ça, c'est Unibank. Et ce qui est non, il y a? Il y a sous nom Rose Concepcia Paul. C'est maman. Nom oui. Okay. Alors, jour que nous avons une pression pour nous être capable de faire compte là. Et jour pour nous être capable de faire là, que ça lui même pas bien. Donc, nous pas capable de. Pour que ça déplacer, il n'est pas capable de marcher, il n'est pas capable de faire longue distance, il n'est pas capable de prendre transport public. Donc, ça demande une planification qui n'est pas possible jouer. Donc, c'est ça qui fait que le compte là pas directement sous nos questions. Donc, pour. C'est ma manière, ça, obligé ça faire. Certainement, quand l'autre option qu'on a, c'est que nous avons un système de cache-tout. Oui, exactement. Parce que nous avons joint et tout le monde, c'est extraordinaire qui j'en l'amour qui a fait merveille. Je fais tout le temps ça pour comme ma bataille. Et puis, je me dis que je ne suis pas capable encore. Et puis, nous allons, nous parler. Élèves, c'est François Lassis, je viens y aller vers les médias. Et puis, tout le monde commence à sensibiliser. Parce que nous jeunes, tout le monde. Par exemple, je regarde un jeune homme, un petit petit, 8 ans, qui l'école. Et puis là, le côté maman, elle dit, maman, regarde, ça, c'est... Il vient avec téléphone, il montre photo, que c'est dire, oh, non, faut que nous achetions des billets. Gagne un petit petit, lui-même, il gagne 10 ans, lui-même, ses machines que lui suyait, dans la rue, il relève dans le téléphone, il dit que il pas à la banque, mais il te met, c'était 25 gouttes, il gagne, est-ce que je gagne mon cash? C'est lui-même qui te bombe l'idée de mon cachat. Je ne pas penser à mon cachat. Et numéro mon cachat, c'est quel numéro mon numéro mon cachat, c'est 31-59-17-40. Vous reprenez encore? 31-59-17-40. Et puis, nous gagnons différentes écoles qui voulaient organiser des levées de fonds pour que start au collège Bird, qui c'est l'école Petit Garçon. Petit Garçon qui était témoin de l'accident. Et qui a fait une levée de fonds pour que ça vendredi prochain dans l'école là. Donc plusieurs écoles contacté comité Saint-François d'Assise, ils ont contacté puis ont dit c'est solidarité jeune qui est extraordinaire. Et nous gagnons tout et bon finalement là nous parler toute lettre que nous écrit l'état ici, il pas dit nous rien. Bon qu'on y a là que nous gagnons directeur CRS qui était Hélène qui te dit que il y a regardé qui ça possible. Très bien. Qu'est-ce que ça ou à l'école toujours? Toujours à l'école, non? Non, moi, je fais tout possible, moi. Même si je ça, le docteur dit, mais malgré ça, ou comme pas. Ou pas comme pas, même gens. Okay. Comme si même si je voulais faire un bagaille, comme lui-même, il veut faire un autre bagaille. Donc, non. Depuis novembre 2017, je bail. Ok. Vous avez un message? Vous voulez... Oui, ça, moi, je veux dire, c'est que. Accident, c'est un bagage qui est arrivé, c'est vrai, mais ce n'est pas un bagage qui est facile, surtout pour les victimes. Et pour une victime, pour une victime d'accident, ça a levé, il a besoin de support, il a besoin d'amour et il a besoin d'aide. Moi, je recevoir depuis le même jour accident un bagage qui est plus précieux que le corps. Non. L'école, que c'était 100 professeurs, meilleurs parents, ils ont été 100 pour moi et je remercie en pile. Et jusqu'à présent, jeunes veulent aider, ils ont aidé moi, ils ont aidé faire face à des défis, ils ont aidé à goûter, lutter pour chaque jour, je me suis levé. Je me suis levé courage pour me lever malgré la douleur, pour m'avancer. Moi, je voulais remercier en pile, en pile, en pile. Moi, je voulais remercier Madame Cassa-Major, élève Saint-François Lassizio, comité Meyo, toute l'école, université, lycée, collège. Moi, je voulais dire que sans yo, moi foutu. Sans yo, c'est carrément moins foutu. Et c'est grâce à eux que j'ai eu force. C'est dans eux que je puise le courage moi, pour continuer à avancer, même si je peux, mais au moins je connais avec moi. Donc, j'ai le courage pour m'avancer. Vous avez conviction, courage que vous avez venu bien dans la vie. Oui. Tout va bien.
moi dois yo en pile donc c'est grâce à yo tout, c'est pour yo m'a goumé. Madame Paul, un message. Ma première c'est bon Dieu d'abord. S'il pas de camper. On pas t'a gagné trois petites. On t'a gagné deux. Ma première c'est bon Dieu en vain. Pour chance, pour bénédiction, le bam, il ba famille pour nous capable. Gen qu'est-ce avec nous toujours et nous connaît que li gen pile gen gros plan. De grands plans pour qu'est-ce. Ma première c'est l'école qu'est-ce. Ma première c'est tout le monde que histoire qu'est-ce t'a touché qui t'a fait un geste avec qu'est-ce. Et ma première c'est TNH, ma première c'est Radio Métropole, Télé Métropole qui t'est capable avec nous. La première c'est Radio Caraïbes, la première c'est Radio Ibo qui t'est fait message à passer pour. Certainement nous connaissons l'Islam à vraiment long. Alors comment? D'accord, nous comprenons ça. Alors, qu'est-ce que nous souhaitons un peu de courage parce que vraiment, on montre que c'est un jeune qui est vraiment déterminé et qui croit dans la vie après ces circonstances au Québec bien d'homme. Félicitations pour courage, tout, madame. Nous recevons dans la deuxième partie émission, Dr. Claire Tida Casamajor, lui-même qui est professeur certainement et Kesta, et puis en codisciple Kesta, c'est Dashley Lubin Yodua, lui-même qui pourrait parler ensemble avec nous de situation ça que élève et condisciple il y a vivre. Dashley d'abord ou même, le côté après une nouvelle là, comment t'es senti? Bon, là que moi t'ai appris nouvelle là, moi t'ai affolé parce que vendredi dans récréation que c'était ensemble avec moi, bien que à cette époque nous pas dans même classe, mais élèves yo tout t'ai décidé, yo t'ai dit que y a bay fond yo, y a convoqué parents yo pour yo parents yo ka aider dans opération que c'était t'ai gain pour t'ai faire. Avec quel sentiment on vit ça, relation que t'ai gain avec Kesta? Parce que moi vis ça avec un sentiment de tristesse extrême parce que déjà que moi j'étais dans la section sportive avec Kesta, le plus souvent nous étions arrêtés après entraînement vers 4-5 heures pour nous attendre que les parents nous viennent chercher nous. Et là, moi apprendre que Kesta a accidenté. Donc, ça c'est moi viens arrêter pour que moi j'étais venu sortir que moi perdu un compagne parce que ça était toujours arrêté ensemble avec moi. Ça était venu vraiment attrister. Docteur Casamajor, nous sommes très mobilisés pour capable aider Kesta dans la situation ça à travers certainement fondation là, maison du sourire. C'est ça pour porter un sourire dans le visage de Kesta. Dis-nous qui ensemble initiative mobilisation que nous faisons dans ce sens. Merci d'abord pour l'opportunité que vous avez pour nous capable parler de Kesta, pour nous capable sensibiliser le plus de personnes possible pour cette noble cause. Kesta c'est un bon élève, son timoun en or. Et je dis en fondation mobilisée avec tout élève Saint-François, tout l'autre jeune, nous considérons comme étant son dette que nous gagnons envers Kesta. Pour qui raison? Parce que Kesta, chaque année, il toujours aide fondation, hein, 20 billets pour capable payer l'école pour timoun la rue, pour timoun sans famille, qui n'a pas monde pour aider les orphelins. Parce que la fondation a gagné de l'école côté n'a supporté Timoun qui dont les familles n'ont pas les moyens que ça même malade année dernière il traînait il fait un raflant. Donc son bagage extraordinaire et quand nous mobiliser pour aider Kesta, il dit nous merci, nous dit non Kesta, c'est un devoir, c'est le retour de l'ascenseur, c'est où t'es aidé nous toute l'autre année que t'es passé ou quand tu étais en santé année ça c'est tout pas nous pour nous aider comme ça tout élève c'est François d'Assise. L'autre l'école congréganiste, ils ont tout fait un seul pour aider nous dans 20 billets qui normalement qui étaient qu'on vend pour régler les œuvres de la fondation, les œuvres sociales, humanité à fondation. Mais Anessa raflant orienté, lui dirigé vers Kesta pour être capable de rentrer plus l'argent parce que nous avons dédoublé billets pour plus de monde capable d'acheter parce que des filles en haut c'est 60 000 $. Qui différents points que nous sommes capables de jouer un billet pour capable acheter la fin. Nous capables de jouer un billet dans mes élèves Saint-François d'Assise, dans mes élèves Sacré-Cœur, dans mes élèves et Collège Bird et Saint-Louis de Gonzague, en pilote l'école encore capable de demander
et particulièrement élève Saint-François d'Assise, et puis capable de venir dans le cabinet médical, moi, qui c'est numéro 7, Bois-Viana, après Monchis. Comme médecin ou même, qui analyse ou fait de situation ça? Bon, qu'est-ce que tu as besoin, comme maman, qu'est-ce que tu as fait, dis-nous, hein? Il y a de l'espoir. Et c'est ça qui explique pour qui ça nous là. Il suffit que nous jouions un bon médecin hein, qui a une spécialité, qui est capable de refaire et bassin qui est là avec tout organe qui est le bassin qui est là. Donc finalement, qu'est-ce qui a gagné toute chance pour lui sortir très bien d'opération. Nous restons confiants, nous avons prié et nous avons fait action. Qu'est-ce que ça apprend nous comme leçon, expérience qui est là? Bon, expérience que ça a porté une leçon pour nous toutes, porté une leçon de courage, de fraternité, parce que ça a c'était et c'est toujours un bon petit monde qui bat nous, qui montre nous tout courage que l'on a, malgré la souffrance, il n'a pas jamais montré nous, il n'a pas jamais plaigné. Donc ça a montré, ça apprend moi pour moi qu'à pifo dans la vie, pour moi lutter contre toute vicissitude qui peut gagner. C'était Dashley Lubel, les mêmes qui s'est condisé par Kesta Jérôme et qui m'a les mêmes les affilo actuellement, mais Kesta, je nous connais malheureusement à cause de l'accident. Ça, les PACAB continuent d'étudier et nous espérons à travers mobilisation, ça pourrait permettre Kesta lui-même de reprendre l'activité académique. Li, après intervention chirurgicale, là, et ensemble avec lui en même temps, tout, professeur li, Claire Tida Kassamajor, qui est médecin, lui-même qui lance mobilisation, qui l'a gagné la bataille à tout à travers Fondation li, Maison du sourire pour capable porter un sourire sur le visage, question, sourire, la vie à travers Fondation ça bien yon lancé grave ça chaque monde bien c'est seulement 100 gouttes et 100 gouttes ça va comme contribution c'est pour capable bailler la vie à un jeune qui gagne pile espoir dans lui-même. Alors amis téléspectateurs, merci pour fidélité à l'émission mise au point aujourd'hui. Nous nous concentrons particulièrement sur une sensibilisation autour de jeunes, Kesta Jérôme, qui subit, qui lui-même qui a cherché aide, famille a cherché aide pour lui après un accident que lui fait. Toute contribution que au capable bailler parce que Kesta Jérôme, il a droit à la vie, même à nous-mêmes. Merci en pile, à la prochaine.